Here we go! Salut à tous! Hey, salut! C'est Dini le GG de Gaming Room TV! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des cadeaux d'anniversaire! On était pourris, gâtés, de tous les côtés. Comme d'habitude, donc on va commencer tout de suite. Oui. Donc je vais commencer par du Spyro. Donc cette magnifique figurine. Spirou, donc vu que toi on veut faire des collections à thème, donc voilà. Vu qu'on va faire un thème Spirou, donc elle est juste magnifique. Ça c'est un cadeau de ma petite sœur, donc je te fais de gros bisous, je te remercie. Et, elle va rester dans sa boîte, pour la collection, mais elle est magnifique. Hein. Donc c'est une marque NECA. C'est ça. Ensuite bah, je continue, je présente plusieurs objets et Didine en présentera après. C'est ça. Ensuite, ça c'est les cadeaux de Benji et Mathilde, comme d'habitude ils nous, ouais. Ils nous gâtent. Donc c'est une manette Switch, Nintendo Switch pardon. Attention. Pour bien Nintendo. Donc à l'effigie de Spyro Dragon du coup, vu que on va faire, comme je disais avant, collection ouais. À thème. Donc ils ont demandé à Didine, qu'est-ce qu'il veut Gégé? Bah vu qu'il veut faire ça, bah pourquoi pas. Donc, elle est magnifique, donc pareil. Elle va rester scellée dans sa boîte. C'est pour la jaquette, comme Benji dirait. Et on dit après moi, après ma manette. Ah non, non, mais après c'est pour... oui, c'est vrai. Et ensuite, bah, dernier objet. Donc toujours à l'effigie de Spyro Dragon. Donc c'est une big box. Donc dedans il y a... Je vais vous montrer derrière, ce sera plus facile. Ouais. Donc il contient une casquette, donc une tasse. Il y a quoi d'autre, je vois pas. Donc un pins et il y a aussi un portefeuille et l'autre, je sais pas comment ça s'appelle ça. Oh, c'est, je sais pas, c'est le truc qu'on met autour du cou pour accrocher les clés. Un cordon, voilà. Tout simplement. Donc pareil, ça, donc ça c'est un cadeau de ma mère, de ma moumoune, de ma maman. Donc, de la mother. Donc je vais essayer de l'ouvrir sans faire tomber les trucs quand même. Ce sera plus facile. Unboxing. Voilà, donc... voici comment ça se représente la casquette. Dans la box, donc le portefeuille, le cordon, le pins, la tasse que je tiens là et la casquette. Ouais, le pins il est juste trop beau. Le cordon, le cordon qui est tombé. Donc c'est pas la tasse. Non mais franchement c'est sympa, dans la collecte ça va, dans la vitrine ça va claquer quand ah, ça va être avec ce qu'on veut faire. Vous verrez plus tard quand la gaming room ça sera faite plus tard. Sera faite plus tard, donc c'est pas maintenant, vous inquiétez. Faut pas attendre après ça, mais... C'est plus une vitrine, là, c'est... Non, mais après, voilà, c'est vrai qu'en ce moment... C'est ma stock qu'il va falloir. C'est vrai qu'en ce moment, on se posait beaucoup de questions, et en vrai, on veut faire des collections à thème, à la place d'acheter des jeux, et des intensifs, ben, on préfère avoir des goodies, et... On se focalise un peu plus, ouais. Voilà, on se focalise sur des personnages de jeux vidéo qui... Qu'on aime. Qu'on aime, et voilà, que... Tout simplement. Non, franchement, il y a du beau Spyro. Oui. Donc voilà, bah vas-y, à toi chérie. Du coup, on va aller par là. Donc c'était de la part d'Emeline hein, pour GG. Donc c'est une petite loupiote figurine Crash Bandicoot. C'est vrai, ça c'était le jour de... C'était le jour du non-anniversaire quand on s'était fait une soirée. On s'était fait une soirée, ils nous ont refait des petits cadeaux. Voilà, donc super sympa la petite lampe. Il y en voilà. A deux autres, il y a l'Aquaku et le docteur Néocortex, voilà. Ouais. C'est ça. Donc franchement, elles sont mignonnes comme tout. Comme ma frangine me dit, t'auras plus qu'à prendre celle là. Voilà. Oui, ça. Mais bon. T'as déjà pas fini les autres. Elle alors. A pas fini les petites pop, c'est les petites pop Crash Team Racing. Ouais. Donc je lui dis, on va attendre un peu. Ensuite, donc une super belle tasse, franchement, elle est magnifique. Hein. Donc c'est donc Mario Bros. Hein. Franchement, elle est sympa. Une belle petite goodies. Mais c'était. Elle est super belle. C'était vachement bien la petite attention qu'ils nous ont fait. Ouais, comme date, quoi, comme vous voyez. Attention quand je les repose. Ils nous ont encore gratté quoi. Et des magnifiques manettes. Ah oui. En chocolat. Donc ça c'est pour notre poids. C'est ça. Mais non, elles vont rester sous scellé. Oh, en douce. Non, franchement, elles sont. C'est excellent, elles sont. C'est bien fait. J'en avais reçu une aussi ouais, pour Noël. C'était à Noël, ouais. Mais j'en avais qu'une. J'avais pas les deux comme ça. Mais là, non, franchement, c'est pas mal. Et puis c'est con, mais c'est bien présenté. Oui. Quoi. Donc c'est trop... Ça se trouve, le chocolat est dégueulasse, mais on s'en fout, c'est pour la on déco. On s'en fout, c'est pour la déco, ouais. Non, mais en tout cas, c'est top, quoi. Ah, mais c'est génial, c'est original. C'est très original. Ensuite, je continue. Vas-y, mais baisse ce qu'il y a sur la table. Ensuite, donc c'est de mon frère. Voilà. Donc, pour pas changer. Amiibo Donkey Kong.
c'était la deuxième vague d'Amiibo, je crois, deuxième génération. Donkey Kong, le voilà. Donc, le fameux Diddy. Diddy Kong, ils sont sympas. On les avait pas, en plus, c'était trop cool, quoi. Donc, on a les éditions Smash Bros, mais pas... C'est ça. Donc, celui-là, je l'ai déjà, mais voilà, quoi, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est le Yoshi. Ouais. Donc, ils savaient pas, donc c'est pas grave. Après, ça fait en double. Bah, après, au moins, je pourrais peut-être l'ouvrir, celui-là. Ouais, peut-être pour l'occasion, soit le laisser sous... Sous celui ou... Non, je l'ouvrirai peut-être, vu qu'on... Je l'ai déjà... Tu pourras jouer sur... Ouais, pour je pourrais jouer avec, ouais. Voilà. Du coup, c'est cool. Donc un grand merci déjà pour tout ça, c'est trop bien. Désolé si on est un peu moumou, mais c'est vrai qu'on a un peu perdu l'habitude, je trouve, des vidéos. Je sais pas. Non, je pense qu'on est fatigué. Ensuite, bah, je vais finir de mon côté. Hein. Vas-y. Ça, c'est cadeau, je vais le faire présenter celui-là. Je te fais honneur. Oh, je te fais honneur. Donc, cadeau de Didine. Donc, voilà. Donc, une magnifique voiture téléguidée. Je vous montre plus en détail. Elle date de quoi de Mario Kart 98 ou 99 ouais, 64, donc sous scellé. Donc, vu qu'on veut faire une vitrine Donkey Kong, donc... Je comprends pas. Voilà, tu comprends pas, donc franchement, magnifique. Donc, c'est fragile parce que vous voyez que le plastique, bah, il a quand même mal vieilli, toi, ça... Ouais, il craque. C'est craquelé. Mais franchement, j'étais trop content. Elle sait toujours trouver les bons petits trucs... On essaye, ouais. Elle essaie toujours de trouver les bons petits trucs, donc c'est génial. Ensuite, encore trois figurines. C'est vrai qu'on n'a pas de jeux vidéo, c'est que des goodies. Hein. C'est que de la goodies. C'est, ouais. je viens d'y penser. Donc ça, c'était à la base, c'était pas prévu. C'est ma soeur qui a acheté une figurine. Elle a vu que le vendeur vendait deux autres figurines. Du coup, s'est partagé les frais. Quoi. Vous êtes mis à quatre dessus, ouais. Pour prendre les deux autres. Donc j'ai été couillon. C'est ça. Je vais commencer par celle-là. Voilà. Donc vous allez voir. Donc c'est de la figurine scellée également. Encore Donkey Kong. Donc de Donkey Kong 64. Voilà. Donc là c'est le Donkey Kong avec la liane. Après je ne sais pas si c'est sorti en France. Je peux pas dire parce qu'on a tout trouvé sur eBay. Ensuite, le petit Diddy Kong avec ses petites bananes et les noix de coco. Donc celle-là on l'a en loup, celle-là, j'avais trouvé en vide-grenier. Donc pareil, magnifique, hein, sous scellé, tout dans la boîte. Et pour finir, ma préférée, celle-là. Il est trop classe. C'est la Cranky. Moi j'adore ça, c'est la barbe, regardez. Ouais. C'est une barbe en sorte de, je sais pas, de poil de cul. Mais avec sa canne, franchement, j'apprécie. J'étais trop content, même là j'ai du mal à trouver les mots et franchement c'est topissime ce que vous avez fait. Il a été sûr. Et ensuite aussi, oui, il y a aussi, il reste du coup à m'acheter. Alors il va falloir les trouver. Ouais. Hein. Du coup il reste un pack, donc c'est comment il s'appelle, Funky. Il y a Funky et l'autre c'est Donkey et il l'appelle Kiddy Kong. Voilà. Ouais, le petit. Voilà. Mais Kiddy Kong, j'en ai vu un sur eBay, mais c'est de l'import. L'ensemble ? Voilà. Oui, c'est cher. Mais voilà, quoi. C'est, en tout cas, bah, je vous remercie grandement. Et Didine n'a pas fini, de toute façon, il reste quoi ? Trois cadeaux ? Trois petites choses. Trois petites choses volumineuses. Alors, du coup, donc, ça va rappeler des souvenirs à certains qui avaient déjà regardé les cadeaux de Noël. De Noël, oui. Donc, j'ai eu le bleu ! Ouais. Donc, le petit drone Yoshi hélicoptère, là, à moitié, ouais. Pour expliquer. Donc, la petite histoire, bah, j'avais eu le vert à Noël. Voilà. Et du coup, pareil, ma belle-sœur, et je lui avais dit, oh, j'aimerais trop avoir le bleu, et du coup, bah... Ils m'ont pris le bleu, et c'est trop bien. Du coup, j'ai les deux. Ça va prendre de la place. On va peut-être voir, plus tard, essayer de l'accrocher, je sais pas, un oui, coup de fil de ouais. pêche, et... voir pour l'accrocher au plafond et comme un con j'en regarde le plafond. Il y a pas un peu pas là. Mais voilà, pour faire un petit. Ça serait sympa je trouve. Ouais. Ensuite. Ah, cadeau. Je garde le meilleur pour la fin. Donc là c'est Benji et Mathilde. Ils m'ont surprise parce qu'en plus sur le site je l'avais regardé. Ouais, c'est ça. Et j'ai dit, eh merde, elle est en rupture de stock. Et en fait, c'est Benji qui l'avait commandé. Donc elle est magnifique. Donc c'est Mario hein, qui chevauche Luigi. Pardon, non, Yoshi. C'était bizarre du coup. Oui, voilà. Non, parce qu'elle va vous expliquer pourquoi. Oui, vous allez comprendre après en fait. Donc, ouais. Donc Mario qui grimpe sur Yoshi, voilà. C'est plus simple.
Et j'ai trop de mal. Et franchement, c'est un site que j'ai découvert, c'est Japan, je sais plus quoi. Je me rappelle plus. Mais franchement, et du coup, c'est du Super Mario Bros de la Wii. Voilà. Mais elles sont belles et elles sont assez grandes quand même. Elles sont imposantes, elles font quoi, 30 cm. Ouais, au moins, ouais. Et donc franchement, c'est trop bien. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi je parlais de Luigi. J'arrive. Parce que j'ai eu la deuxième. Voilà, du coup il y en a donc le Luigi avec le Yoshi. Ça c'est de ma part. Voilà, donc de la part de GG. Et du coup voilà, parce que derrière bah, ils montrent les deux. Et du coup bah, j'ai eu les deux et pareil quand t'as commandé c'était la dernière. C'est ça aussi, ouais. Donc franchement je suis trop contente. Parce que pff, ça va prendre déjà un étage sur... Encore du Yoshi. Sur la vitrine, la future vie. Encore c'est du Yoshi, encore du Spyro, encore du Donkey, du Crash. Le Crash, c'était un petit peu. Ouais. Mais non, franchement, on a été bien garnis. Puis bah tous les à côté qui ont été hors jeu vidéo. On a eu les enveloppes pour la Pixel Day. Ouais, une petite enveloppe. Une bonne enveloppe. On a eu des petites enveloppes qui font. Mais voilà, en tout cas, on a été gâtés comme tout. On a passé un bon moment. J'ai eu des chaussures. Des belles chaussures. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Plein de trucs. On a eu tellement de trucs, une tonnelle cassée. Des bouteilles de vin. Pignot gris d'Alsace. Des magnifiques verres à vin d'Alsace que j'ai inauguré. Ça se trouve, les gens sont en train de dire ça, ils en ont rien à foutre. Mais c'est pas grave. Enfin, on était pourri gâtés, mais voilà. Ouais, de partout. Donc on vous fait trop de bien. Gros bisous. On vous remercie pour tous ceux qui nous l'ont souhaité aussi sur Facebook. Voilà. Vous avez été nombreux. J'espère que j'ai répondu à tout le monde, que j'ai oublié personne. Donc bah sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut.